Salut tout le monde, c'est Koinski. Aujourd'hui on va commencer un petit let's play sur Plan B Terraform. C'est un jeu dans lequel on va gérer la colonisation et la terraformation d'une planète nouvellement découverte. On va miner des ressources, les transformer, les transporter vers des villes pour les faire grandir. Notre mission, c'est de terraformer la planète. On va faire pousser des arbres, on va verdir la planète. On va commencer par réchauffer l'atmosphère pour que l'eau, la glace fonde en eau. Que l'air se réchauffe, etc., etc. On aura des océans, on aura des forêts. Le développeur du jeu est un petit développeur indé français. Et le jeu sort le 15 février en accès anticipé. Il y a une démo actuellement sur Steam si jamais vous voulez essayer. Et le jeu est également déjà en français. On va lancer une nouvelle planète qu'on va appeler au hasard... Thorn, pourquoi pas. On est parti sur Thorn où on va découvrir les différentes villes préinstallé par l'organisation qui nous a envoyé là-bas. La société a été mandatée pour gérer les ressources de la planète récemment découverte. On doit acheminer des ressources vers les villes et mener des projets de terraformation. Bonne chance. On peut construire sur toute la planète. Un petit peu comme dans Dyson Sphere Program, mais c'est un jeu un peu du même genre, mais qui a quand même vraiment ses particularités. Ça fait également penser à Factorio, évidemment. Alors, on est parti. On va devoir faire croître les villes, mais d'abord, on aura droit à un petit tuto, a priori. Voilà, déplacer la caméra, ce genre de truc. On a plusieurs sites de villes préinstallés, ça, on ne peut pas choisir. On va choisir New Toronto, ça a l'air assez cool. On aura besoin d'envoyer différentes ressources, mais on verra ça après. On va continuer le tuto. Alors, il me prend le fer, évidemment, le plus proche, celui-là. La source ici de fer, on va travailler dessus. Et on va commencer par sélectionner un hexagone de fer et placer nos premiers extracteurs et nos premières usines. Donc les extracteurs, c'est ceci. On en a 6 en stock pour le moment comme bâtiment. On va le mettre... On va peut-être commencer à travailler par le côté ici. Voilà, j'en mets un. Il va enlever les minerais de fer. Et nous, on va placer un dépôt, on en a 6 en stock, juste à côté. Et on va le configurer pour accepter le fer. À ce moment-là, le petit drone qui est là, quand un fer aura été pris par l'extracteur, eh bien, il va pouvoir aller le prendre et le mettre dans le dépôt. C'est vraiment joli, visuellement, les drones, vous allez voir après, il y en aura tout plein. Ça va être cool, il y a également des camions dans le jeu et aussi des trains. Construisez une usine près du dépôt. On suit un petit peu le tuto, mais assez vite, on va s'en écarter, rassurez-vous, ça ne dure vraiment pas longtemps. Comme ça, je vous explique comment ça fonctionne. Dans le jeu, les dépôts vont faire un petit peu office de tapis roulant. Les ressources vont être acheminées depuis les productions jusqu'aux usines de transformation, etc. Toujours par des dépôts et des drones. C'est assez cool. On va faire des barres en acier. Ça a déjà dû commencer, d'ailleurs. Donc là, c'est les entrées, là, c'est les sorties, je pense. On va rajouter... un stockage, un dépôt pour faire la transition avec le reste, 2 barres en acier. D'accord. On me demande de construire et de placer 10 extracteurs. C'est l'objectif actuel avec les objets que j'ai pour l'instant. La barre en acier, l'extracteur, le dépôt, j'ai rien d'autre. Quand on aura réussi ça, on aura d'autres objets qui vont se débloquer. Voilà comment ça va fonctionner. Assez vite, les objectifs seront des objectifs de terraformation. Pour l'instant, on me demande d'en placer 10. J'en ai que 5, ça veut dire qu'il faut en faire d'autres. Et donc, on va placer le bâtiment d'usine d'assemblage. Qui fabrique des bâtiments. L'extracteur dans ce cas-ci. D'accord, donc là on va pouvoir simplement mettre d'autres extracteurs. A noter que le dépôt pour l'instant il a une portée de 1, mais plus tard on peut en débloquer certains qui ont des portées supérieures. Et ils peuvent fonctionner à la chaîne. On va faire comme ceci. C'est-à-dire que les drones qui est là. Le drone qui travaille là peut aller chercher dans ce dépôt-là et déposer là. Celui-là prend autour de lui dans les extracteurs et peut déposer également dans le dépôt d'à côté. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et là donc on va pouvoir augmenter le nombre d'extracteurs disponibles et atteindre notre objectif de 10. J'ai pas forcément besoin de développer le reste. Donc j'arrive à 10, je vais réussir la mission. Ok. Mission suivante, construire et placer 5 usines. On a débloqué les pièces mécaniques, l'usine d'assemblage.
J'ai pas beaucoup d'usines d'assemblage, il m'en reste une. Et j'ai besoin d'usines d'assemblage pour faire les usines d'assemblage qui sont des bâtiments et on les fait là-dedans. Donc je vais mettre en priorité comme objectif de faire les usines d'assemblage. On a besoin pour ça de pièces mécaniques. On aura donc besoin d'une usine intermédiaire pour faire les pièces mécaniques. Mais d'abord, évidemment, on a besoin de faire des lingots. Et comme on aura quand même besoin de beaucoup, je vais refaire une production de lingots. Alors le bouton central de la souris, c'est vraiment pratique pour copier les setups parce que ça copie les paramètres, ce qui est vraiment cool. On a besoin donc d'une usine supplémentaire intermédiaire pour faire les pièces mécaniques qui utilisent des barres en acier qui étaient là, d'accord. Et donc là, le truc, c'est que temporairement ici, on va changer et on va mettre le dépôt qui utilise également les barres en acier parce que j'en ai plus. Voilà, on essaiera de rester bien organisé, mais au début, j'ai pas trop le choix, j'ai pas beaucoup de pièces différentes. Elles sont pas forcément les plus efficaces non plus. Donc on fait un petit peu comme on peut, mais surtout dans ce genre de jeu, c'est très très important, méga important même, de rester bien organisé, sinon après on va être perdu. Il y aura rapidement des ressources dans tous les sens sur la carte. Donc attention. Voilà, usine d'assemblage, c'est parti. Alors vous aurez noté que je ne mets pas de stockage pour les bâtiments, parce que les bâtiments sont stockés dans l'air. Il n'y a pas de stockage de bâtiments, c'est dans le stockage général, ça se met ici en fait. Voilà, ça produit correctement, on est content, on a besoin d'avoir la même chose pour les usines. On a comme objectif de faire des usines, donc on va en construire, en placer 5, mais ça va se faire automatiquement. Parce que je veux une production d'usine aussi, et je veux refaire une production d'extracteur. Les usines utilisent des pièces mécaniques pour être construites, tout comme les usines d'assemblage, donc... On va mettre une deuxième usine d'assemblage près de la première. Là ou là, peu importe. On va pas se tracasser. Et on va mettre usine. Comme ça, ils feront un petit peu des deux. Il faudra amener quand même pas mal de ressources. Mais on va en amener de plus en plus grâce à une amélioration de nos capacités au fur et à mesure. Pas d'inquiétude, ça va très bien se passer. On va mettre ça comme ça. Comme ça, on peut déjà en ramener plus. On va copier comme ceci. Voilà, on produit des usines d'assemblage, on produit ça. Maintenant, il faudrait qu'on produise quand même en plus des extracteurs. Ça coûte que de l'acier, on pourrait le mettre à côté ici, de l'acier. Et ça serait parti entre les deux. Maintenant, on a quand même besoin de beaucoup de ces bâtiments-là. J'aurais bien envie de faire une production supplémentaire à côté, mais vous savez quoi, on va pas le faire. Parce qu'assez vite, on va débloquer la version numéro 2 du dépôt. Et donc, on améliorera à ce moment-là. Les chaînes de production, on les refera ailleurs, on aura besoin d'autre chose que de simplement du fer. Voilà. Ça, c'est un début. Alors, on va copier ça, venir par ici. J'aime bien venir par le côté grignoté, en fait. Hein. On pourrait faire différemment, mais moi, j'aime bien faire comme ça. Pour le moment, dans le jeu. Ça va vite. On fait comme ça. Et on a quand même pas mal de ressources. Elles vont, grâce au drone, se transférer par là progressivement. Idem ici, vers la gauche, vers le haut. Donc objectif, il fallait faire 5 usines. Bah écoutez, il fallait placer également 5 usines. Donc là, moi je suis content avec ce que j'ai. Je place 5 usines, on débloque le niveau suivant. Attendre une population de 10 dans la ville principale, Toronto, que j'ai choisi. On a débloqué le béton, la route, le stop routier, le camion et le centre d'approvisionnement. On récupère les bâtiments qu'on détruit. Ok, on va dézoomer. New Toronto, qui ne se développe pas pour l'instant, hein, c'est simplement la petite navette. Donc on va mettre à côté un centre d'approvisionnement. Donc il faut les faire, ça coûte du béton. Il faut donc qu'on commence par développer notre production de béton. Le béton se fait dans le jeu à partir de ceci. Le soufre. Ce qui est un peu bizarre, je trouve, mais bon. On dit quelque part que du calcaire, ça aurait été bien, mais... Peut-être qu'avec du soufre, il y a moyen, j'en sais rien. Donc on est parti, on va développer, ben, comme avant, je vais commencer par un côté ici qui est un petit peu entouré de ressources. On va placer des extracteurs. Je fais petit au début parce que je ne suis pas sûr d'avoir des grands stocks de bâtiments. Hein. Soufre. Voilà, on va placer une usine. Ça se fait toujours très facilement. Et on construit le béton à partir de soufre. Le béton, on va le stocker. Ici, et après on pourra l'envoyer vers la ville, mais d'abord on sait qu'on doit faire du centre d'approvisionnement qui demande du béton, donc ici on va faire simplement une usine d'assemblage.
Cette usine sera chargée de faire nos centres d'approvisionnement. Alors, j'en aurai pas besoin de 10 000, hein, de ces bâtiments-là. Donc on va essayer de pas trop connecter ce dépôt-là à d'autres extracteurs-là, parce que je veux pas qu'il y ait trop de ressources qui transitent par là. Tout simplement parce que pour l'instant, on ne s'est pas bloqué la limite de construction de bâtiments. Je pense que c'est plus ou moins prévu par le développeur. J'ai un peu à te lire sur les forums. Il a l'air de trouver que c'est une idée correcte de le faire. Je pense que c'est une bonne idée de bloquer effectivement les bâtiments. Parce que j'ai pas envie que tout mon soufre parte et mon béton parte en centre d'approvisionnement. Au bout d'un moment, j'en ai assez. Donc à un moment donné, on coupera peut-être les trucs, on s'arrangera pour arrêter d'en produire. Ok, alors on part sur New Toronto. On va placer ce centre d'approvisionnement juste à côté de la ville. Je pense qu'il doit être vraiment à côté. Et on peut déjà regarder ce dont on a besoin. Pour l'instant, la ville a besoin de béton et les ressources fournies sont insuffisantes. Bah oui, on fournit rien. Alors comment est-ce qu'on fournit ? Eh bien, il faut qu'à côté du centre d'approvisionnement, on ait un dépôt à portée. Et ce dépôt, on va l'alimenter grâce à des stops routiers. On n'a pas encore de train, donc on fait comme ça. Ça coûte des routes et des stops routiers qui coûtent tous les deux du béton. Donc bah, on sait où on va aller, hein. On va retourner à un endroit où il y a du béton et on va faire des bâtiments. Alors ces bâtiments-là, par contre, on en aura quand même besoin de beaucoup. Les routes plus, et les stops routiers moins. Donc les stops routiers, je pense qu'on va les mettre également séparément pour peut-être éviter d'en faire trop. Et potentiellement, on peut les mettre sur le même endroit, à mon avis, que les usines d'assemblage. Ça me paraît bien. Parce qu'honnêtement, voilà, on va... Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? On n'a pas besoin de 36 millions, on aura besoin quand même d'un bon nombre, mais... Moins que les routes, il me semble. Donc les routes, on va les faire. Je vais les commencer là. On va mettre deux dépôts, les rejoindre ici au milieu, et on va placer une usine de béton. Vous voyez comment ça se fait facilement, c'est vraiment cool. J'espère que plus tard il va rajouter le développeur la possibilité de faire des blueprints pour copier-coller. Parce que pour l'instant on ne peut pas sélectionner plusieurs bâtiments pour copier-coller. Bon, le jeu arrive en accès anticipé, hein, bon voilà. Et là on va produire via une usine d'assemblage nos routes. Est-ce que je me suis trompé? Ça demande du béton, le béton est là, donc je crois que c'est... Ok. Je fais du béton. Ah oui, mais je le stocke pas, attendez. C'est malin. On va rester bien organisé, je vais mettre comme ça. Béton. Usine d'assemblage. Et les routes. Et ça, il faut que ça fonctionne bien parce que des routes, vraiment, ça va, on va en utiliser beaucoup. Il en faudra beaucoup. On pourrait éventuellement mettre deux usines et espérer qu'elles fonctionnent, mais il faut voir un peu l'évolution des stocks. Là, j'ai pas vraiment mis beaucoup d'extracteurs. D'ailleurs, je vais m'étendre un petit peu sur les côtés. Alors, plus le graphisme indique une abondance, plus il y a beaucoup de... plus il y a de ressources. À peu près 400 ici. Si je prends une ressource plus faible, 160. D'accord. Voilà. Petite note d'optimisation. J'aime bien mettre ma production de bâtiments, parce qu'on ne doit pas les livrer nulle part, en fait, sur des petites poches qui peuvent s'épuiser tout doucement. Et pour mettre mes futurs gros centres de production de béton, j'aime mieux peut-être des trucs un peu plus gros où je ferai que ça. On fera passer du train. Et comme ça, on n'est pas trop loin de New Toronto. Je vais venir ici, je crois. On va venir là et là. Là, on va y aller. Hein. On veut beaucoup de béton. Donc, on aura besoin... On va commencer... Bon, on va grignoter par le côté, je pense, comme avant. Je vais me mettre là, 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 là. Alors, le mieux, c'est quand même déjà de définir sur le premier le stockage. Ça, après, hop. Voilà, hop. Comme ceci. Donc là, on va avoir du béton qui va s'accumuler. On va venir là. On va mettre une transformation via une usine. Ou peut-être même deux ici. On va essayer... En béton. Béton, 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 bétonne tout. Là, on a notre production de béton. Alors, comment l'envoyer? Eh bien, grâce au stop routier, on en a 6 déjà en stock. J'en mets un là. Et on va commencer à placer les routes. J'en ai 48. On va s'approcher de New Toronto. Alors, je sais pas par où je vais passer, honnêtement.
On peut dézoomer assez fort. Je peux passer par le haut éventuellement. Mais là, j'ai passé dans les ressources, donc j'aime pas trop. Je préfère passer dehors. On va essayer de faire un beau... une belle route. La plus courte possible quand même. Comme ça. Comme ça. On avance. Alors le pas de dézoom est très fort, je sais pas pourquoi. Je vais venir là. Là. Ouais, on va aborder New Toronto par le nord-est ici. Par l'est, c'était déjà prévu. Donc la route là. Hop, hop. On va avoir beaucoup de routes après, donc je vais essayer de faire un réseau qui soit assez joli, pas trop tortueux, en réutilisant au maximum les routes existantes, si possible, ce serait bien. Alors par contre, j'ai oublié de faire les véhicules. Eh bien, Kowalski, alors, une route sans véhicule, ça va pas être utile. Le camion, on utilise les pièces mécaniques. Les camions, on va en avoir besoin de beaucoup. Donc on va aller au niveau du fer. On va s'installer ici, par exemple, hein. Et je vais placer ma production de camions. C'est simple, hein, vous l'avez vu, ça se fait dans l'usine d'assemblage. Ça utilise des pièces mécaniques. Comme ceci. J'ai eu qu'à copier-coller quasiment cette ligne de production-là, vu que c'est celle qui fait les pièces mécaniques. Voilà, qui arrive ici. J'ai mis deux usines. Je suis pas sûr qu'on arrivera à alimenter deux usines. Ça produit quand même assez vite. Surtout qu'on arrive pour l'instant pas à extraire vraiment masse. Quand même de ressources en même temps, mais ça ira progressivement mieux. Alors de temps en temps dans le jeu, il va falloir, en tout cas au début, après je sais pas s'il y a des ressources permanentes, mais pour l'instant les ressources elles s'épuisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps, faut revenir voir si faut pas déplacer un petit peu nos productions. Ça arrivera. Alors maintenant qu'on a des camions, on va se mettre sur le stop routier et définir la destination. Hop, on va là. On déplace du béton, ok, et on va mettre des camions. Alors on peut inverser la direction si jamais on s'est trompé. Voilà, je ne suis pas trompé. Et on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 camions. Avec Shift, je mets 10 en plus, ou 2 ici parce que je n'en ai que 2. Et là, c'est parti. La valse des camions, la valse de la logistique, les amis, commence. Mais c'est vraiment que le début. On va livrer les camions, livrer le béton, pardon, j'ai pas défini. Béton. Hop, les drones. Oh là 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 là. Ce jeu a un potentiel, il a un charme déjà fou, je trouve. Malgré des graphismes en low poly simples, évidemment. Et ça fait rien, c'est charmant, les animations, les petites animations sont cool. Le fait d'avoir des drones directement dans le jeu, c'est très, très agréable. Ça change vraiment des tapis roulants. Alors là, on alimente New Toronto. C'est-à-dire que, vous voyez, le béton arrive, les ressources, l'approvisionnement est bon, 100% des demandes sont rencontrées, la population, bah, c'est 4, mais ça va tout simplement, au fur et à mesure du temps, augmenter. Et quand la population va augmenter, bah, le jeu va faire des nouvelles constructions, des panneaux solaires, des habitations, des parcs. Plein de trucs qui vont commencer à faire une ville qui va s'étendre et devenir une mégalopole, tout doucement. Bon là, c'est pas à quid de population que ça va être le cas, mais ça va augmenter quand même assez fortement après. Et les demandes, les besoins vont augmenter également. On a quasiment déjà atteint le niveau 4, c'est parti. Objectif, atteindre une population de 100 dans la ville principale. On voit l'ombre des éoliennes ici. Débloquer, barre en aluminium, carbone, oxygène, extracteur atmosphérique, tour de repère. Tout est utile. Tout est utile. Évidemment. Allons voir les besoins. Alors déjà, la ville, elle ne grandit plus. Elle est stable, parce qu'elle reçoit une partie des ressources dont elle a besoin, c'est le béton. Mais l'oxygène, voilà, elle en a besoin maintenant. Donc il faut le produire, et pour le produire, eh bien, c'est l'extracteur atmosphérique qui va extraire du dioxygène, de l'oxygène et du carbone. C'est de l'atmosphère, ça coûte des pièces mécaniques et des barres en aluminium. Bon, les pièces mécaniques, on sait les faire. Occupons-nous peut-être en priorité des barres en aluminium, c'est un petit peu nouveau. Il faut trouver de l'aluminium. Je pense que c'est les trucs gris.
Et on sait que ça va également demander du fer, donc peut-être trouver un endroit, on a les deux pas trop loin l'un de l'autre, pour prévoir déjà une grosse production. Ben là c'est pas mal, hein. On a de l'aluminium, on a du fer, on peut grignoter par là et se dire on va essayer de réserver cet endroit à cette production là. On verra si on arrive à le faire ou pas, mais comme ça on n'aura pas besoin de faire de route entre les deux, on a tout à disposition, donc ça c'est plutôt cool. Je mets ça là, je mets ça ici. On va accepter ici l'aluminium. On va s'occuper déjà de faire des barres d'aluminium. Alors, prévoyons pas non plus trop grand au début. Hein. On va faire deux usines. Toi, tu vas là. Ici, on va demander barres en aluminium. Là aussi, il n'y a plus qu'à extraire. Au début, j'aime bien faire petit. Et puis voilà, on grignote et on s'étend. Comme ça, on gaspille rien. J'aime pas trop construire sur les ressources. On peut le faire. Hein. Ça ne se détruit pas. C'est pas tellement grave. Mais si on peut éviter, on va éviter. On va aller chercher encore là-bas sur le côté. Donc là, on va avoir des barres d'aluminium que je vais stocker pour le moment ici entre les deux. Voilà. Et on avait vu qu'on avait besoin pour la recette. Alors après, les extracteurs, on n'aura probablement pas besoin de 300 000 non plus. Donc peut-être que cette production ici, ça va être... on fera d'autres choses. Mais là, on peut les faire simplement, vu que c'est l'un à côté de l'autre, donc on va pas se priver non plus. Hein. Donc on avait besoin de quoi? De pièces mécaniques. Voilà, les pièces mécaniques. On va essayer d'aboutir à ce qu'elles soient stockées là. Et là, on fera l'usine de bâtiment, d'accord? Donc pièces mécaniques, item. Oh, je les ai pas débloqués ici, bien sûr. On les a depuis un petit moment. On les fait comment? On les fait dans des usines. On va en mettre deux. Je suis pas obligé d'en mettre deux. J'en sais un. Peut-être qu'une c'est assez, mais sûrement pour le moment. Mais comme ça, on prévoit déjà. Alors, ces usines vont utiliser des barres en acier, bien évidemment. Barre en acier. Et donc je vais mettre l'usine d'acier ou les usines. Je peux en mettre une là et une au-dessus. Et ça va aller comme ça, par le haut et par le bas, idem. Barre en acier, ça s'est mis par défaut, superbe. Et là évidemment on stocke le fer. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur les côtés vu que j'ai mis les usines. On va quand même venir, on va changer un petit peu le setup, on va venir tout droit dedans comme ça. Boum boum. On essaie différentes choses, hein. Et puis on vient autour, mettre ces trucs là. Et je pense que je me suis pas trop trompé, on ose espérer. Et que donc ici, l'usine d'assemblage qu'on va pouvoir mettre là, va nous faire des beaux extracteurs atmosphériques. C'est parti. Allez, on terraforme le plus tôt possible. J'aime bien ce double objectif, terraformer et à côté également alimenter les villes pour les faire grandir. Je trouve que c'est bien d'avoir ces deux choses là en même temps. Maintenant il y a un bâtiment très important dans le jeu, dans les spéciaux. C'est la tutute, la tour de repère, qui va nous permettre de mettre des repères sur la carte. Et sans ça, honnêtement, on est cuit. Il faut le faire. Ça utilise du béton. Alors, le béton pour faire des bâtiments, c'est ici pour moi pour le moment. Et donc je peux regarder, hein, vous voyez, par exemple, les routes là. Franchement, on pourrait faire plus de routes. Mais je suis déjà quasiment à 200, pas sûr qu'il y a vraiment besoin d'en faire beaucoup plus là, honnêtement. Et comme on a du bon stock, je vais mettre un bâtiment en plus à côté. D'assemblage. Et on va assembler des tours de repère. Ça devrait être suffisant pour pouvoir en faire des deux côtés. Ce qui m'ennuie un peu en le mettant là, c'est qu'on risque d'en faire un peu trop. Vu qu'il va en faire sans arrêt. Donc j'aime pas trop, je vais changer. Là, ce sera une chaîne de production vraiment où on veut produire beaucoup. Ici, pas tellement. D'ailleurs, c'est déjà le cas, ça produit pas énormément. Mais ce n'est pas grave. Je vais quand même remettre une usine d'assemblage. Et on va placer la tour de repère, mais on va un petit peu étendre les opérations quand même. Par là. Et par là.
Rappelez-vous que quand on détruira un bâtiment, on le récupère dans le stock. Donc si on doit faire un petit détour, ce n'est pas tellement grave. L'important, c'est que de temps en temps, je récupère une petite tutute. Et donc voilà, ici par exemple, pour l'instant, ici, hop, je fais mes bâtiments en béton. C'est pas très explicite, mais quand même, je sais ce que ça veut dire. C'est bon, je vais pas m'amuser à mettre que je mets route plus machin, ce serait trop compliqué. On va mettre batte en béton et ça devrait le faire pour s'y retrouver. Idem ici, c'est les bâtiments en acier, tout simplement. Tout ça se fait avec de l'acier, même si c'est des pièces mécaniques, etc. Ça reste de l'acier. Notez que je crois qu'il y a un ordre d'alimentation des bâtiments, sans doute de la droite vers la gauche ici, ou parce que j'ai interverti les tututes et l'usine d'assemblage, je n'ai pas besoin de beaucoup de celle-là, le centre d'approvisionnement. Et maintenant j'ai plus de ces tututes, je crois que c'est mieux. On devrait même mettre peut-être les ronds là et la tutute en deuxième, mais bon, je pensais bien comme ça quand même. Je devrais déjà avoir de quoi en mettre quelques-unes. Voilà. Et voilà, j'ai donné des noms à tous mes endroits, comme ça je m'y retrouve. Maintenant on va placer les extracteurs d'oxygène, c'est pour New Toronto. Maintenant peut-être qu'on pourrait faire une énorme usine d'oxygène pour envoyer vers diverses villes, mais pour l'instant on va simplement se dire qu'on se met ici. Voilà, on a la place. Hein. On devra envoyer ça, donc d'office on va stocker de l'oxygène. Mais attention, il y a un sous-produit qui est le carbone. Donc on va pas échapper à devoir également mettre des stockages de carbone à portée. On va voir comment on pourrait faire. On pourrait mettre déjà deux. Trois. En fait, on pourrait mettre comme ça. Trois, trois. Et mettre deux stockages pour le carbone. Bon, j'essaye. On verra bien. On n'a pas besoin d'optimiser à fond pour le moment. Sachant que le truc, c'est que le carbone, attention, j'en ai pas l'utilité pour le moment, donc ça risque de tout bloquer, ce sous-produit. On pourra pas le stocker indéfiniment. Donc, attention. Voilà les réservoirs d'oxygène avec la petite animation. Plutôt chouette. Alors, on envoie ça par camion, parce qu'on sait rien faire d'autre pour le moment. Et donc, on va aller vers ce dépôt-ci. Vers ce truc là, donc je vais mettre ici, pourquoi pas, et là on va stocker l'oxygène pour qu'il aille dans le centre d'approvisionnement. D'accord, route. Ah oui, tout droit comme ça, ça c'est bien, c'est beau, c'est bon. Ah oui, voilà, une route très simple. Destination New Toronto. On livre l'oxygène et on y va pour les camions, j'en ai plein. On va en mettre une bonne trentaine déjà pour commencer. Ici on en avait 12, c'est trop peu, on va en mettre également une trentaine. Alors un petit rond-point là, je vais appeler ça les ronds-points, c'est plus simple. Ne peut être utilisé que par une route. D'accord, donc si je veux mettre une deuxième route qui part de là pour envoyer ailleurs, je ne pourrais pas réutiliser ce stop-là, il faudra en utiliser un autre. Autant le savoir. Alors, on est parti pour regarder New Toronto. Alors, état croissante évidemment, 100% de croissance. Les ressources sont bonnes, on est à 15 en population et on doit atteindre 100. Et comme je vous disais, de temps en temps, il faut revenir voir hein, pour mes bâtiments en béton ici, pour les trucs usuels que j'utilise là à gauche, bah... Les ressources sont épuisées ici, ça prendra plus de temps pour celles qui sont très riches, mais là, il faut enlever tout ce qui ne tourne plus et il faut bah, remplacer et remettre des trucs comme ça et faire ceci. C'est pas compliqué, ça prend pas tellement de temps, mais ça demande d'être attentif parce que faut pas oublier, tout simplement, on peut pas oublier. Voilà, là il marche plus non plus. Ah non, il marche plus parce que c'est plein, pas de problème.
Tant mieux que ce soit plein, hein, là, ça tourne à plein régime de fabrication de routes. On va en avoir de trop, je pense. On est déjà à 500. Bon, ok, j'ai peut-être prévu un peu beaucoup. C'est pas grave. Alors, du coup, ces machins-là servent plus à rien. Quand on détruit un dépôt, on détruit les ressources stockées. Bon, c'est pas tellement grave, il y a un stocké. C'est... Les développeurs ont dit que plus tard, quand on ferait ça, ça laissera la ressource sur le sol. Un petit peu comme quand on a extrait, vous voyez. Ah oui, c'est de l'accès anticipé malgré tout, mais vraiment, je trouve qu'il y a déjà de quoi faire. J'avais trop envie d'y jouer. Du coup, pour le problème du carbone, mais soit je détruis le dépôt, je le refais, et du coup, ça détruit la ressource. Bon, ça peut être une manière de faire pour éliminer. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement... Comme les drones peuvent distribuer un petit peu à la chaîne, faire une petite, petite pyramide, un petit triangle. Ça résout le problème. Ça y est, une population totale de 100 est atteinte. On en doit maintenant atteindre 300. On débloque la barre en polymère qui demande du carbone. Bah, très bien, voilà un sous-produit qu'on va pouvoir éliminer. On peut également les faire à partir de déchets plastiques. Le béton renforcé à partir de béton et de barres en acier. Les pièces technologiques à partir de barres en aluminium et de barres en polymère qu'on a découvertes ici. Et le fameux dépôt MK2 qui demande des barres en aluminium et des barres en polymère. Ah oui, ça devient déjà un peu plus compliqué, hein. Mais enfin, rien non plus d'insurmontable. On va commencer par retourner voir New Toronto parce qu'il y a des nouveautés. Le béton renforcé remplace maintenant la demande de béton normal. Et donc, on n'est plus bien alimenté, l'oxygène ça va, mais donc elle va plus vraiment grandir. Elle va rester bloquée là. Et si par malheur on n'a plus d'oxygène non plus, elle va même régresser. Donc il y aura ce côté-là dans le jeu où il faudra quand même faire gaffe. Ce qui est acquis n'est pas acquis pour toujours si jamais on fait des bêtises. Ça, je trouve ça intéressant. Donc cette ligne-là, on va la détruire parce que, en réalité, envoyer du béton là ne sert plus à rien. Bon, je pense qu'on peut enlever la ligne, on récupérera les véhicules. Ici, on va mettre non plus du béton, ça sert plus à rien, mais du béton renforcé. Bon, on perd celui qui est stocké là, c'est pas tellement grave. Voilà. Maintenant, il faut produire ce béton renforcé. On va peut-être commencer par ça pour que la ville puisse continuer à croître, tout simplement. Et donc ce béton renforcé, on le fabrique avec, en ajoutant des barres en acier. Ce béton-là, on ne sert pas à autre chose pour l'instant. L'infrastructure est déjà là, donc on va la garder. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le filtre vue minérale pour trouver le fer le plus proche. Malheureusement, c'est celui-là. Enfin, c'est malheureusement non, mais c'est quand même un peu loin. On ne va pas réutiliser celui-là parce qu'on fait tout ce qui est bâtiment à faire avec et on va garder ça pour la suite. Donc on va se mettre là, et là on garde les usines d'assemblage, et là on a un truc tout neuf pour nous, où on va vraiment spécialiser peut-être en production de barres de fer, comme ça on pourra les envoyer là où on en a besoin, on va essayer de rester organisé comme ça. On pourrait se dire qu'on pourrait essayer de débloquer le dépôt MK2 également en premier, ça pourrait être une bonne idée, mais je me dis que je préfère quand même d'abord faire ce béton renforcé pour avec l'idée que la ville comme ça peut continuer à se développer. Oh d'ailleurs on n'a plus beaucoup de dépôt, comment ça se fait ça? Le dépôt, c'est un bâtiment en béton, si je dis... en fer. C'est là. Oh oui, ben voilà, vous voyez. On a tout bouffé, là. Là, quand on a tout bouffé, ben il n'y a rien à faire. Il faut refaire. Le souci étant que sans nouveau dépôt... Alors, j'ai récupéré les anciens. Là, ils ne serviront plus. Ils sont trop loin, simplement. Ça, je vais pouvoir en remettre ici pour en faire des nouveaux. Et oui. Toi, tu sers à rien, hein, tu t'en vas. Hein. Tu sers plus à rien, désolé de te le dire. Ces dépôts-là servent plus non plus. Alors, on pourrait attendre éventuellement que les drones... Pour l'instant, les drones ne sont pas vraiment intelligents. Ils répartissent les ressources sur les dépôts. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus faire un truc trop labyrinthique. Et mettre vraiment que ce qui est nécessaire. Moi j'en ai un petit peu plus, je suis un petit peu fouillis, mais c'est parce que je grignote. On pourrait essayer plutôt de faire des lignes qui rentrent dans les ressources, ce serait peut-être mieux. Pour éviter de gaspiller comme ça quelques ressources, mais c'est pas non plus énorme ce qu'on gaspille. Voilà, là tout est ok, on a accès partout. Ça me paraît bon. Alors, on va pouvoir récupérer maintenant du coup des plaques, des dépôts. On va faire un peu différemment du coup ici. On va mettre le stockage du fer.
on va fabriquer des barres en acier, ça c'est ok. 1, 2, 3 dépôts de barres en acier. Et puis on va envoyer tout ça ici avec le stop routier. Du coup, le béton est là, le fer est là, le béton renforcé, soit je le fais près du béton, soit quelque part aussi au milieu, entre les deux, plus vers la ville, on fait du béton renforcé. Là, par exemple, c'est bien, c'est aussi bien qu'ailleurs. Je pourrais dire, je mets mon stop là, et puis voilà. Donc on va aller tout droit. Tu l'as fait ? Oui, il l'a fait. Jusque là. Alors du coup, le béton, on va aller un peu par là, alors qu'il doit après aller par là. Mais on peut aller, oui, on peut aller un peu plus loin. Pourquoi pas ? Je veux pas trop surcharger la place près de la ville, parce que je me dis qu'après, si je continue, on aura peut-être besoin de faire d'autres choses qui doivent, elles, être vraiment proches de la ville, potentiellement. Tandis que le béton, là, je le fais où je veux, en fait. Ok, donc là, on aura besoin. Déjà, on va amener les plaques. Les barres en acier. Je peux déjà commencer. Est-ce que ça marche ou pas? Bah, j'ai pas mis les extracteurs. Hein. Koniski, ça peut pas aller. Donc, on a dit qu'on va faire ce qu'on avait dit. On va aller un peu comme ça en ligne. Voir ce que ça nous dit de faire comme ça. Destination. Ici, barre en acier. Boum, 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 boum. 50 camions, bah pourquoi pas. Hop, j'ai fait pareil pour le béton, ça a été vite. Les camions, 50. Ah oui, 50 camions direct, comme ça, boum. Le stockage, attention, sinon ça va se stocker là. Béton. Et là, bon, le truc, c'est que c'est un petit peu serré parce que ces dépôts-là n'ont qu'une portée de 1. Mais je peux après desserrer en exportant, si vous voulez, en mettant des dépôts un peu plus loin. Pour l'instant, on va faire simple. En plaçant une usine. Simplement déjà une. De béton renforcé. La sortie ici. Avec le béton renforcé, en stockage. Et puis il n'y a plus qu'à livrer, enfin il n'y a plus qu'à... faut livrer. Donc on va faire rejoindre cette route-là à celle-ci. Hop. Magnifique, ok. Super. Donc là, j'ai plus qu'à recréer destination. Oui, ça se fait assez vite, avec un petit peu d'habitude. On sait qu'on doit aller là, que c'est du béton renforcé, qu'on a intérêt de toute façon à mettre à peu près une cinquantaine de camions. On verra, ils sont créés automatiquement. Et là, c'est parti. On envoie. Et on envoie du lourd directement. On envoie une bonne quantité. Et du coup, la New Toronto, elle se lâche. Hein. C'est parti. La croissance explose, on atteint les 300. Prochain objectif, augmenter enfin de la terraformation vraiment la température de la planète de 1 degré Celsius. Construisez une usine de gaz à effet de serre pour relâcher du SF6 dans l'atmosphère, un gaz à effet de serre soufré. Coûte 1 en soufre et 1 en fluorite. Générateur de gaz à effet de serre, on aura besoin de ceci. Alors on n'a pas tout fait encore dans le niveau précédent, donc il vaut mieux le faire, honnêtement. Mais là... tout va plutôt bien. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez du jeu. Faut se dire qu'après, on va commencer à voir de la verdure arriver, peut-être des mousses d'abord, je sais pas. Les glaces vont fondre, ce qui veut dire qu'il y aura de l'eau qui va se mettre. On sait pas encore exactement où, j'imagine dans les cratères, peut-être il y aura des lacs, il y aura des rivières, il y aura des forêts après. Et il faudra gérer de plus en plus les productions pour alimenter les villes. Il y aura des déchets également produits dans les villes. Il faudra les éliminer. Tout ça avec des sous-produits, des chaînes de production de plus en plus complexes.
tout ça pour un petit développeur indépendant français. Honnêtement, ça, je pense que ça vaut le coup de souligner ce jeu. On va faire au moins un deuxième épisode parce que j'ai envie d'en voir plus personnellement. J'espère que vous aussi. N'oubliez pas le petit like et de vous abonner. Salut tout le monde.